Parmi les personnes placées en garde à vue, Sandra Paire, l'ancienne première adjointe de Jean-Claude Guibal, le maire de Menton, décédé le 25 octobre dernier. Une garde à vue levée hier. Sandra Paire n'a pas souhaité répondre à nos questions. À l'origine de cela, le maire actuel de Menton qui avait porté plainte pour une suspicion de vol et destruction de plusieurs centaines de documents administratifs en novembre. Il avait d'ailleurs pris la presse à témoin. Aujourd'hui, Yves Juel se félicite de la tournure des événements. Je trouve que c'est très bien que les auditions et que la justice suivent son cours. Après, la justice décidera, mais ça prouve que les plaintes qu'on a déposées, a priori, devaient avoir certains fondements. Sinon, je ne pense pas que quelques jours après ou quelques semaines après, les auditions et les gardes à vue soient faites. Un climat délétère s'est donc installé à Menton depuis l'élection à une voix près de Yves Juel, puis la démission d'une partie du conseil municipal, entraînant la mise en place de nouvelles élections. Les électeurs, sûrement un peu déboussolés, sont appelés à élire leur nouveau maire les 30 janvier et 6 février 2022.